Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir rapidement sur une audition des patrons d'Omerta et également du rédacteur en chef d'Éric Le Sommier. Audition à l'Assemblée nationale. Pourquoi à l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a une commission sur les ingérences étrangères en France, sur la foi de certains médias comme Le Monde, Télérama. Omerta a été accusé de travailler pour les Russes. Mais je rêve. Je rêve. Et le patron d'Omerta a été convoqué devant ce tribunal populaire. Le tribunal populaire des représentants du peuple. J'en ai pris les meilleurs moments. Écoutez, ça vaut vraiment le coup. Ma première question sera en fait assez simple. C'est, j'aimerais comprendre le nom en fait que vous avez choisi pour votre média, Omerta, c'est-à-dire la loi du silence dans les sociétés gangrénées par la mafia. Donc j'avoue, puisque vous publiez ce faire de ma part en France. Ces médias qui sont francophones, je ne comprends pas en quoi ce terme s'applique à notre société. Donc le média Omerta, enfin le choix du nom, vient d'un constat. C'est-à-dire que typiquement, à la fin de ma première présentation, je vous expliquais que nous venons de passer 15 jours en Afghanistan. Afghanistan aux mains des talibans, dans lequel il est difficile d'évoluer, dans lequel il faut avoir des contacts. Moi, j'avais des contacts déjà, parce que j'avais déjà rencontré les talibans à l'époque où ils n'étaient pas au pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai réactivé ces contacts pour essayer de mettre un focus sur une société afghane qui est dans le noir, et en particulier la question des femmes. On en entend parler de l'extérieur. J'ai également aussi pu me rendre en Iran en octobre dernier. L'idée d'Omerta, c'est de briser l'Omerta. Évidemment, il ne s'agit pas de procéder comme une société mafieuse. Il ne s'agit pas, tout est clair. Mais l'idée, c'est d'apporter un focus sur des zones difficiles d'accès, sur des thématiques parfois qu'on aimerait voir traiter. On en a fait aussi la question de la transidentité. On a fait un documentaire réalisé par Amélie Menu, qui est une de nos reporters. On va en faire un autre, elle-même est en train d'en faire un autre sur la question de l'addiction au porno. C'est des phénomènes de société dont on parle assez peu, mais qui agitent nos sociétés. Et notre objectif chez Omerta, justement, c'est d'aller sur place, ou en tout cas d'interviewer, ou d'interroger, ou de donner un micro aux gens qui sont les acteurs dans ces divers domaines, et d'essayer d'apporter une forme de compréhension de ces phénomènes, en l'occurrence sur la société talibane. Ben, c'est d'aller rencontrer les femmes sur place, et croyez-moi, c'est compliqué. On est dans des environnements où on peut se faire traiter. Là, on a eu l'occasion de nous adresser à un des membres du gouvernement taliban et de lui demander quid du sort d'un de nos collègues qui actuellement est détenu sous des charges d'espionnage par ce même gouvernement taliban. Mais nous travaillons sur les sujets d'ingérence étrangère, donc d'influence, d'interférence, d'ingérence et la manière dont il peut y avoir en France. Sont-ils bien intentionnés ou sont-ils mal intentionnés, des relais d'opinion des journalistes, des médias, des cénacles, des officines, des fondations, des think tanks, des personnalités, des experts même pour certains, qui relayent, appuient, soutiennent, propagent et présentent d'une certaine manière telle ou telle actualité. Et c'est à cet égard que nous nous intéressons à Omerta. Alors moi, je ne suis pas abonné à Omerta, donc je n'ai pas regardé l'intégralité de vos documentaires, mais on a pu en voir certains extraits, qui est quand même souvent très pro-russe, il faut dire les choses comme elles sont, y compris dans le cadre du conflit actuel mené par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Voilà, c'est, je pense ainsi que ça a été ressenti par beaucoup des personnes qui ont regardé notamment certains documentaires. Voilà, c'était juste... Alors, comment qu'avez-vous à dire à cela? Je vois que Monsieur Le Sommier réagit, donc Monsieur le Président. Merci Madame la Rapporteure, Monsieur Le Sommier.
Oui, vous avez cité, je voulais reprendre vos propos au début, vous avez cité un émoi dans la presse française au moment de... Enfin, en tout cas, un retentissement. Moi, je note tout simplement qu'en dehors de Libération, du Monde, de Mediapart et de Télérama, c'est-à-dire en gros la même sphère idéologique, il n'y a pas eu d'émoi dans la presse en France générale, ni de levée de bouclier concernant Omerta. Voilà. Excusez-moi. Je tombe de ma chaise. Non, mais si, qui a été jugé, et c'est toujours... En fait, c'est toujours des approximations. On entend toujours des choses, mais les gens ne regardent pas ce qu'on fait. Ils n'ont pas été voir ce documentaire. Et ce documentaire, tout en étant journaliste, en essayant... j'essaye toujours d'apporter du contradictoire. J'essaie toujours de poser des questions importantes, des questions sur les Russes. Pourquoi vous êtes là? Vous combattez pourquoi? Des questions essentielles finalement, et ça a toujours été mon métier. Le problème, c'est que aujourd'hui, cette description un peu sommaire de Omerta Média pro-russe fait l'économie totale de ce que nous faisons par ailleurs. Vous avez quand même souligné que nous faisons autre chose. Je suis quand même étonné que je suis prêt à parier avec vous que quand notre documentaire sortira sur l'Afghanistan, personne ne va me dire vous êtes complice des talibans. Mais je suis allé chez les talibans. Alors faut-il aller chez les talibans? Comme faut-il aller chez les Russes? Ça, c'est toute une question. Et moi, je connais beaucoup confrères qui travaillent dans les médias dits mainstream, dans lesquels j'ai travaillé aussi, et qui considèrent qu'il faut continuer à aller couvrir, quand on peut le faire, l'autre côté, qu'on ne peut pas se contenter d'une seule couverture. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de reportages faits côté ukrainien. Il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe côté russe en appliquant des règles strictes du reportage qui ont toujours été mon leitmotiv au cours de ma vie. J'ai d'ailleurs passé beaucoup plus de temps avec l'armée américaine qu'avec l'armée russe dans mon passé. J'ai toujours appliqué ces principes, parfois quitte à ne pas me faire réinviter ou parfois en y allant contre ma conscience. Aujourd'hui, il y a quand même un problème, c'est qu'on va couvrir ces conflits-là où on risque notre peau. Je peux vous dire que la ligne de front de Bakhmout, vous emmenez pas large, et quand vous passez 10 jours là-bas, c'est un véritable traumatisme en revenant. Donc, quand vous passez du temps sur le terrain, et qu'en plus, vous vous faites flinguer par des gens qui ne bougent pas leur siège ici, et je tenais à citer quand même quelque chose qui m'a beaucoup choqué. J'ai regardé un certain nombre de débats qui ont été, d'auditions, et l'autre jour, j'ai vu Monsieur Nicolas Tanzer, qui était auditionné ici, m'accuser d'être un agent russe. Voilà, j'étais un agent russe, ça a été... Et j'ai fait mes recherches et je suis allé regarder qui était ce Nicolas Tanzer. Et je constate en lisant sa fiche Wikipédia qu'en 2022, il a rejoint le CEPA, le Center for European Policy Analysis, un institut de recherche à but non lucratif et non partisan créé en 2005 à Washington, dédié à l'étude de l'Europe centrale et orientale, une institution d'influence américaine qui se voue à travailler à une alliance transatlantique forte et durable, enracinée dans les valeurs démocratiques et principes démocratiques. Voilà. Donc, cette personne-là me traite d'agent russe. Lui avez-vous posé la question? Par qui est-il payé? Monsieur. Non, monsieur. Je sais bien, mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça scandaleux monsieur le sommier, d'être personnellement accusé d'être un agent russe. Monsieur le sommier. Vous rendez-vous compte avec qui vous voulez ailleurs qu'à la commission d'enquête? Alors, il y a la question de l'actualité, avec la guerre en Ukraine qui a occupé l'espace médiatique, mais du coup, un certain nombre de pays comme ça, l'Éthiopie par exemple, ou même la Syrie, sont aujourd'hui de véritables trous noirs médiatiques, et nous, il nous paraît important d'essayer, en tout cas, de continuer à aller dans ces zones et à rapporter de l'information, à expliquer ce qui s'y passe, à continuer à suivre ces mouvements et pas simplement suivre l'actualité telle qu'elle est dictée par une sorte de mouvement qui met l'attention sur un endroit et ensuite on passe à un autre. Voilà. La pérennité du média au-delà d'un an tient au fait qu'on réussisse un certain nombre d'objectifs. D'abord, les abonnements payants qui donnent accès à l'application, qui donnent accès au contenu exclusif en version longue des reportages qu'on produit. Le deuxième, c'est évidemment le magazine papier. Et puis, il y a un troisième aspect aussi qui est, je dirais, absolument stratégique pour nous.
c'est l'agrément du ministère de la Culture. Cet agrément donne le droit aux cartes de presse, mais aussi à une TVA réduite. Et cet agrément, je l'ai intégré dans le business model. Et donc, l'obtention de cet agrément est tout à fait fondamentale pour la pérennité du média. Et je dois souligner que, compte tenu des articles dont certains sont diffamatoires et pour lesquels j'ai déposé plainte, notamment l'article du Monde, l'article de Libération et l'article de Télérama, eh bien, le ministère de la Culture a ajourné l'obtention de cet agrément, alors que nous remplissons toutes les conditions pour l'obtenir. Alors, sur la foi de certains médias comme Le Monde et Télérama, la commission paritaire des journalistes n'a pas encore reconnu Omerta comme une maison de presse. Ce qui prive tous ces journalistes de cartes de presse, de médias et également d'argent, car la commission paritaire doit verser de l'argent. Alors ils en versent à droite, ils en versent surtout à gauche, mais là, pour Omerta, rien du tout. C'est un scandale, un véritable scandale. Bon, à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Et bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos.